yo prudence en zone côte nord go flagonade et surtout en pile vigilance par rapport à mitan la main zone côte sud. Après-midi, le soleil a couché à 7h23 et la pluie demain matin à 6h28 pour le coucher samedi soir à 7h22 pour le lever dimanche matin à 6h28 et pour le coucher dimanche soir à 7h22 matin vendredi à la 3 août le soleil a pleuvé à 6h28 minutes. Cela nous mettait au bout de l'information météorologique. Nous avons remercié au guerrier Guérinel qui t'a recevoir pendant toute semaine. Rémi ou même qui sillonné la rue, Grégory ou même qui sont ta technique là, qui permet aux auditeurs auditrices d'entendre nous. Nous souhaitons passer un bon vendredi à toi, excellente cette semaine. Rendez-vous pour information météorologique. C'est pour lundi. Si bon Dieu la vie, bonne autorisation. Bonne journée. Première occasion, c'est premier journal pays. Première occasion, c'est qu'on est comme un pays d'Haïti à Grèce Montblanc réveillé pour matin. Merci un peu, madame Christine Saint-Georges. Nous souhaitons passer une bonne journée, un bon week-end à Caraïbes FM. Après le prend direction la rue Port-au-Prince. Oui, direction la rue Port-au-Prince. Chaque matin, c'est avec Mackinson Rémy, 4x4 qui bougeait en pile pendant toute semaine. Ça, matin, la rapproché l'efficace Piprimi. Côté, nous prenons le rejoigné au niveau de Ouiel Alerte, zone cimetière Port-au-Prince pendant toute semaine. L'État peut se voir en pile les messages de la part de habitants dans la zone ça. Et voilà, c'est là, on apprend rejoindre 4x4 la Mackinson Rémy qui est déjà sous place. Bonjour 4x4, bonjour Port-au-Prince, bonjour tout le monde. Bonjour Pierre-Renel René, bonjour Gégé Dussel, bonjour Fat, et bonjour tout auditeur Caribe FM. Et nous, à Biron, dans Port-au-Prince, pour nous dire que Mounio et Port-au-Prince est levé normal matin, hein, côté tout habitant est déjà abattu avec activité. Et on est ruiné, mais sauf que dans pile de nous passer, nous faisons pile remarque. Et nous avons retenu sur le marché encore, et notre Delma 3, et policiers et Delma 3, et nous, les policiers, ont des difficultés pour le travail. Et dans la rue, Tawé Light, là, encore pas de gaz. Nous tenons à rappeler ça pour hiérarchie la police là, spécialement le directeur départemental de l'Ouest-là, de son seul jour, le directeur général là, Mikem Gédéon, pour alimenter les policiers Delma 3, parce que pour ça, c'est très important, et dans Delma 3, parce qu'il y a plus de monde, et c'est là, il y a tant de machines, et là, il y a 40 types de machines. Surtout maintenant, dans plus de zones nous passer, et il y a plus de blackout, et sans compter plus de messages nous recevoir. Donc, on tient à le monde, j'allais attirer mon hier soir, pas qu'à dormir, et moi, je m'en ai dit, je coupe mon genre, et pour que ça lumière. Et puis, dans Delma 33, et il y a ma compte 6 mois toujours, et la compagnie de population, avec 6 000 personnes, mais qui paguent, et fait la tête libre. Et donc, si bien fait, c'est clair, nous comprenons que c'est prévention qu'a fait, et puis Delma 48, tout est gagné, et policiers qui ont sillonné la rue, hein, avec accompagner population. Nous vivons dans une région ville, l'activité a déjà commencé, et ma chaîne déjà envahi, et c'est même activité à tout pour aller au GAN, et côté déjà passé, et un peu l'activité, mon petit bras en province, et puis et nous et passons zone Tafou Samida, et nous retournons avec ma corps police dans Tafou Samida, son bel bagage. Après, mon déchoir, par contre, pour ça, le Kafou Samida, côté festinalisation lui-même, et pas vraiment, et à ma chaîne, Kafou Ayoko, pas de festinalisation, problème ça y est, et bien, en pile, en bouteillage, et au plus cause, policiers dans la République. Policiers, nous gardons des bouquets, à plein, en pile, vient une réunion, policiers, on dit, à bourriquer, le Kafou Marasta, Kafou Fleurio, avec blocus là, pas de festinalisation, chauffeur, on fait ça, on voulait. Donc, on m'a dit, pour TPT, c'est capable de manger des festinalisations. Nous, quand on est dans Carrefour et Titus, et c'est ça, dans le tête, et la lettre, c'est là, nous, quand on est matin, et dans la zone, et presque dans la zone première, deuxième avenue, nous, quand on est dans nous, on va avancer. Et nous, c'est voir, c'est avant qu'il se passe là, entre Gravine. Et la fin, là, on a 11 000, même si c'est bon, vous cherchez la vie, et qui va dire exactement et comment l'activité y est. Et dans la zone là, on a trouvé bonheur. Et pour vaquer l'activité, malgré nous, on s'est levé avec un gros fait noir. Et mais malgré ça, on est déjà vaqué avec l'activité. Demi bonjour, et on soit habité dans la zone de déménager au lever pour chercher la voie. Levé à 4h du matin. À 4h du matin, on levé, on commençait à pire dans la zone. Dans la zone, ça n'a pas de lumière. Écoutez, nous avons là, nous avons la gamme pour le tout. Et comment on a pu dans la zone de Titus et notre tête qui vient d'aller. Ah, pas bon, je n'en vive là.
Nous faisons pour nous chercher la vie quand même. Nous ne pouvons pas aller ici. Si nous ne pas chercher la vie, nous ne pouvons pas le faire chaque pas. J'en ai un bail là, des appels, des jours, un jour, nous nous disons que nous devons. Vous levez à 4 heures du matin pour commencer le travail dans la zone ça. Et nous, presque bonne zone, nous avons une pistache, nous sommes dans l'hôpital. Et nous, ce jour-là, nous allons aller presque zone garapine. Comment sécurité a eu pour travailler sans qu'elle saute dans la zone là. Et par contre, il y a des bandes de diagrammes qui ont problème dans la zone là. Non, par contre, il y a des bandes de diagrammes qui ont problème. Nous travaillons sans qu'elle saute. C'est pas qu'il y a des retours dans la zone ça de temps en temps pour nous camper là, non? Non, on va dire que c'est en solide, pour les autres basés. Bonjour, amis, comment y est et comment activité y est pour le matin? Bon, activité à lever vraiment bien pour le matin parce que nous levons la petite gage, nous sommes assez à l'aise. Et nous autres, ça, et qui ça nous a demandé, qui ça ne pas jouer dans notre nom? Est-ce que tout le monde est en forme? Nous jouons de l'eau, nous jouons de courant, et comment ça y est? Bon, mon cher, après courant, nous ne pas jouer de fatigue. Mais l'homme est piro, mon cher, vous poussiez à craser nous en l'air. Piro, pas de problème. Bon, et zone Tavan Pistache, là, qui était Tavan Pistache, vous montez, et puis vous portez ça, zone à l'Essé-Gite. Mon cher, vous tracez, pas de problème. Poussière, des fois, nous-mêmes, nous avons posé, nous avons regardé pour eux, avec vos lunettes. Dans la lunette, ça, il va vous aller chez le bébé, vous poussière. Comment ça va te détacher? Il y a plein de monde qui plaît, il dit que dans la zone, ça va au commissariat, pas de policiers, jusqu'à maintenant, toujours pas de policiers dans le commissariat. Bon, c'est ça, nous, et toi, des yeux, nous, avec nous, comme nous, nous, plein, nous, 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 comment sécurité a eu dans Tavan Pistache? Sécurité a bien frappé, a bien marché. Donc, nous, après, t'habites Tavan Pistache, je suis habitué plein. Je dis, nous avons vu des fois qu'on nous débarque sur eux, si ça a bien marché, et comment ça a eu dans la zone là, puisque nous sommes toujours plein dans la zone là. Eh bien, ça, quand nous sommes plein, nous va plein, ça, c'est ça, nous va jouer ça. Parce que nous toujours bien fonctionné. J'aime passer là. Donc, on dit que dans la zone d'avant de pistache, je t'ai demandé que tu peux laisser ta passer mais dans la zone d'avant. Dans la route là, parce que les pays nous baguent de l'eau. Mais en bas, voile d'air de l'eau, des fois, en bas, qui bon à l'air de l'eau. Des fois, on a l'air de l'eau sous dalle, on a un tunnel, on brûle de l'eau et pas machine à l'air. Et puis, tout le monde doit vendre 20 gouttes, mais ça n'a pas de problème là. Pour qu'il doit vendre 20 gouttes, exactement là, il faut vendre 22 gouttes, et ça n'a pas de problème là. Et vous avez tout gaz, il va monter pour le avant. Donc, tout à l'heure, je ne suis pas pour le bon genre, zone savane pistache, parce que je ne veux pas. Savane badonique, zone d'eau savane, zone d'eau savane en l'air, pas de l'eau même, pas de l'eau même. Bon, même si on va dans l'air, tout le monde qui a besoin de l'eau, toute machine qui a besoin de l'eau, l'autre bord va passer à l'eau. L'autre bord qui va. Soudal, l'autre bord, soudal, il y a l'eau. Voilà, bienvenue à l'une des revendications pile dans la zone savane pistache, zone d'eau monde, et zone d'eau savane, et côté habitant, il n'y a pas de l'eau, dans la zone non, il n'y a pas de dîner pas. Et puis, j'ai un fond, j'ai un bouillon, il y a plus d'eau dans la zone là. Et côté nous, il n'y a tout, pas de courant même, sauf que, il y a pile là-bas, dans la route là, et que les citoyens, eux-mêmes qui veulent être calmes, et dis-nous exactement quel est le problème qui est dans la zone là, et qui va parler avec Radio Caribe FM, zone. Bonjour à Caribe FM, content. Et par l'avant, citoyen, nous avons fait une machine. Non, machine dans la zone, non. Ils sont habitants dans la zone. Ils sont policiers dans la zone, non. Depuis le 4 e jour, on fait le job dans la zone. Ah, ok, ils sont policiers dans la zone, non, pour le travail social, là. Ouais. Ça pas de nous donner les armes, nous avons fait un carrefour, pour les carrefours, comment sécurité aille. Ok, mais comment sécurité aille dans la zone, ça? La population, ça, mais connaît, puisque les zones, ça, ce sont zones stratégiques, côté me camper à l'âme, mon entrée savant du stage, grand ravine, mon hôpital, comment ça a été, que mon état me connaît, est-ce que vous êtes à l'aise dans cette zone? Je ne sais pas, il y a un problème. Le problème est tout en haut, avec une ravine, mais ça ne peut pas tout faire, tout est normal. Donc, même j'ai avec Zamia, ce type, par contre, il y a un problème, ça me capte, il y a un problème dans cette zone-là. Non, comme je l'ai dit, nous sommes dans la ravine en haut, mais il n'y a pas de problème là. Donc là, il y a une zone où il y a des policiers civils, et qui n'a pas accompagné la population. Normalement. Mais qui pour le problème social, il y a dans cette zone-là, à part des problèmes clous, problèmes courants, les amis sont dit que zone 2, ça a un problème poussière. Et qui a le problème encore qui nous a dit? Ça va défendre qu'on l'a souvent, il va expliquer pas faire attention. Avec problème, il doit être courant, après ça va être dans d'autres problèmes. Donc, pour SMCRS, tout avec mes bons points, c'est même d'apprentissage dans le monde de 13 jours. Je dis souvent, plus souvent. Mais quand bien fait, quand même, il n'y a pas venu là, non? C'est passé, mais ça n'a pas suffi. Voilà, et Pierre-Winel Véné, et nous dans la zone de TUS, et le Capo 7-TUS, et quand on a parlé à la population matin, on a fait des revendications plusieurs. Et Moun, c'est un policier, et lui-même qui a accompagné la population, des policiers civils, et qui a payé lui-même toute la population. C'est un bon travail, et nous profiter, féliciter les amis, ça,
qui se parlent sur Radio Caraïbe FM, que nous voici policiers dans toute zone capable de faire aller matin lever, accompagner la population. Nous pas besoin d'uniforme, bien être un uniforme tout, mais pas grand civil là, plus bon encore, et une façon pour le monde capable de circuler ça et sauf. Parce que les policiers peut-être qui passent au travail, peut-être volontaires en travail. Nous allons travailler tout à l'heure. Maintenant, avant madame, vous faites un mouvement. Mais les zones, ça vient pile policier. Grand pile policier qui habitait dans la zone ça et habitant yo en pile fois yo misé sous présence ça et du fait que gagne policier qui s'est voisin yo et ça rassure yo contre banditis ou attaque l'autre zone qu'on fait et pour deux zones sous deux zones côté pas gagné présence ça ça me d'abord moi que Mackinson. Ah oui. Et qu'il y a pile zone, nous constatons ça, nous remarquons des policiers, par exemple, zone sans fil, et qu'il y a pile policiers le matin, il y a même tout qui, des chita, des sous sans fil là, qui n'ont pas accompagné la population, et des fois qui parlent des femmes, mais c'est des policiers et qui habitent dans la zone là, et nous, c'est une zone ruinée, et dans la zone matrissante, et vous êtes venu tout récemment, et qu'il y a des policiers eux-mêmes qui passent au travail, mais dans le moment qui accompagnent la population. Donc, c'est une façon pour être capable d'aider la population à combattre la question de la sécurité. Et nous, vous avez une salutation pour tous les policiers qui font travail en plus de travail normal. Le travail, ça vient rassurer la population bien élevée. Le travail, ça vient mettre la population en confiance. Puis, on va faire avec l'activité. Vous êtes capable là, nous avons plus le monde. Les cap sont dans le cap descend et qui pour aller la ville cap descend qui va le vaciner une activité yo qui en plus mode aussi peut-être pour cap prend monde en haut savant de stage descend avec yo en plus machin yo même commencer vaciner une activité yo ça veut dire Port-au-Prince devait 12 par 8 matin encore et je dis à qui c'est vendredi vraiment qui c'est week-end rapidement bien une lune donc vous allez sur le téléphone là juste avant nous aller sur le téléphone on a appelé Port-au-Prince c'est après on est un week-end la pluie hein, selon prévision météorologique yo quand on y est là Mackinson, on a limitrophe savon pistache et grand ravine, cafoufeuille et côtoyer là même, c'est les sous qui zone, ni pas sous qui zone. On a limitrophe exactement, savon pistache et grand ravine, et c'est un système d'alibon et un gros réservoir de l'eau qu'on est en. Et le premier avenir, et nous avons presque à l'enlève, on a dominé tout en bas la ville. Et nous montons et mon sanatorium là, et c'est là matin, nous choisi. Et camper, on attend que la semaine prochaine soit nous arrivons à la ville, nous arrivons à vendre des tâches, mais je vais venir à petit bac dans une zone taille quand même. Nous connaissons quand même pas une limite. Et pour une zone taille, après, je vais revenir, mais pour qu'on y aille, nous commençons, et après, commencer à y aller, après, le camion tape tout, et commencer à chauffer pour monter, et puis à charger, puis à le prendre ça. Nous sommes capables de descendre, Albert Sabio après 9h, puisque vous connaissez, et quand nous sommes pas capables d'aller avant 9h, c'est après 9h, il y a pas l'arrière parce que direction centrale police, routière, la DCPR, et après en pleine mesure contre Calme Sabio, spécialement dans la zone boulevard 15 octobre, côté M. Fleurant, lui-même prend pile de décision, gros décision, contre Calme Sabio, il n'y a pas de problème dans la zone là, dans la zone où on a vu où DCPR vraiment, il y a travail pour capable d'empêcher Calme Sabio, quand on n'importe comment dans la zone ça, Calme Sabio qui a fait l'air, non, oui, ça, oui, ça, comment lui, il est côté Calme Sabio là. Calme Sabio qui déjà pas qu'il a dans la route dedans, la plus de Calme Sabio, lui-même qui déjà a chopé mon terre pour monter, puis il y a ça, il va le prendre, peut-être qu'il saute. En rose, en boutillier. C'est juste. Voilà, quand même, ça veut dire que le responsable, non, c'est juste calme comme ça. Et nous allons aller sur le téléphone, non, Pierre-Onel Ouéné. Oui, nous allons aller sous téléphone, puisque il va le faire 6h, mais avant d'aller sous téléphone, on a préappelé une limitrophe pour y aller la zone qui, après, quand on trouve là, au niveau de Savane Pistache, gain, on a une situation de violence qui a pas développé dans la zone ça, mais qui m'a fait trop bruit, hein, malgré mon mieux, c'est de temps en temps, il a appelé nous pour attirer attention sous présence chef gang qui a terrorisé population savane pistache. Donc, on va gagner pour retourner sur la situation. Ça, je suis capable de classer, avancer, l'avancer. Et prochainement, nous sommes capables d'arriver au niveau de zone ça, nous sommes cités là. Mais, couillons nous parler sur le téléphone, là, avec son Mimi, pour nous regarder quelques messages pour nous voir comment l'autre zone, eux-mêmes, y a vivre, qui problème, qui difficulté, et qui fait qu'ils méritent à signaler. Non, et comme une verrette, zone Alguette, habité dans la zone Normandie, c'est capable de faire canal Alguette pour eux, avant mauvais temps arrivé sur Mounio, et puis vous restez dans la zone Grégoire, zone Tigouave. Moi, le ministère de l'Éducation nationale, profitez avec les problèmes, si vous avez des vacances, avant
nouvelle année académique là, qui vient dans un petit coin habitant aussi au Pagin route. Demandez-vous, le ministère des BGC est capable de passer maintenant route là, en même temps tout. Demandez la police pour projet parce que je suis sécurité arrête dans cette zone là. Dans le dernier 95, il y a un typhon, ancien président Michel Matéli, c'est fait, je dis à. Pour nous acquitter le magistrat Pétionville, la CAP, je n'étais pas très bien pour ça. Qui autorise, je n'étais pas très bien pour capable de pas jeter le magistrat pour habiter dans la zone. C'est une zone païenne. Pour nous, si on n'a pas de lien comme ni du Gisèle, nous avons des compagnies de taille, pas de service, parce qu'on n'a pas qu'à communiquer du tout. Zone pourrait bien faire, pas de route dans la zone. Et nous avons des pour capable de faire tout ce qui puisse passer sans machine, sans gros camion, à sortir de chute pour tes zones de Port-au-Prince. En même temps, tout, la zone pourrait bien faire, pour nous aller en mouille contre mon cap, pour bien bien boire dans la forêt. Zone belle, zone belle orange, habitant aussi, il n'y a pas de route du tout. Dans zone ça, on a demandé pour que PTC soit capable de prendre un pour eux. On a demandé au ministre de l'Éducation nationale pour se connecter et profiter de ces problèmes de domination pendant les vacances avant la nouvelle année académique. Là. Zone centre, il y a eu des bouquets pour s'appuyer sur les populations. On a dit au pas de route, on a demandé de PTC capable de passer. Mais, habitant rivière grise, dénoncé, il y a une série de construits sous moi. Il m'a dit magistrat Nice Simon pour qu'il prenne des décisions. Alors comme tout ça, vous avez toujours plein et pour mes tabac, mais cette fois-ci, il m'a dit magistrat, il y a même encore des magistrats aidés, et je suis avec donc magistrat Nice Simon qui va le faire. Donc magistrat Nice Simon, je vais finir qui peut-être. Vous allez intervenir jusqu'à l'habitant du bac à papa. Vous êtes presque dans la ville, dans les reconstruits. Vous demandez aux magistrats de prendre des mesures rapides, rapides. Donne jalousie des PTC et c'est classé qu'à quelques mounes. Vous avez dit depuis la majeure derrière avec eux. Donne en bas mon calvaire. Et puis, vous êtes abonné à la plaque campée. Vous demandez pour qui ça, puisque vous avez appuyé eux. Donne Eshmaïsa, vous là-bas, bon du tout. Mais vous avez fait pardon à la monnaie des PTC parce que vous avez là. Et puis, fréchisation, vous des bouquets, vous pas de travail même. Pour les et puis pour ces petits capables d'aider dans ce sens, puisque le travail est propre. Troisième section, machin de saline, et clou à couper route là, habitant dans un demandé, autorité au fond Jean Bouillot, et puis mon hôpital, pas de signal, ni du Michel, ni Napcom, habitant plein en pile, et contre deux compagnies qui n'ont qu'un habitant de la Fagaba et service. Et puis, dans le on peut développer un on a demandé SMCRS, les bons presse pour passer, mais zone modèle, accident de charge pour se mettre à cause de bête, pire, on a la rien. On a demandé aux autorités de prendre des décisions contre les questions ça. Et puis, zone Marcaille, troisième section, Marico, route là-bas, bon du tout. L'asile, population, mandat TPDC, passer maintenant route là, avant de faire pas de radio. C'est quelqu'un recommandation sur 43, 29, 77, 41, j'ai demandé. Déjà bon week-end, bon week-end, gagné du sel, monsieur, si après, et pas conduit, et très prudent sur route là. Bye bye, tout le monde. Oui, tout le monde, merci. Mackinson Rémy dit pendant toute semaine, tu es mobilisé pour faire mettre auditeur. Vous connaissez comment Port-au-Prince réveillé pour matin. Donc, bon week-end à tout le monde, guerrier. Nous connaissons comment travailler. Nous avons idée. Là, oui, nous nous parlons pour sortir dans Port-au-Prince 12 par 8 pour reprendre l'évaluation. Mackinson Rémy 4x4 qui va gagner. Et limite, hein, quand t'as quatre qui, et pour mettre nous mieux dans le jour, quand venez là, et pour franchir quartier qui est plus difficile, yo, quand t'as quatre là, pendant toute semaine, là, l'été jalousie, dans Pétionville, l'été, dans, cité l'éternel, il est déjà fait cité soleil, il fait village de Dieu, village de solidarité, donc Kapakata qui définitivement ses genoux chaque matin dans la rue Port-au-Prince guerrier. Mais c'est un peu là encore, hein, Kapakata l'infatigable. Oui. Il y en a pas l'entrée dans l'actualité politique là, et avec la déclaration président Jovenel Moïse fait hier, d'un côté les évoquer, donc pour dire pas problème corruption, mais il est passé que de l'autre obstacle qui empêche le pays à marcher, c'est mensonge avec méfiance, d'après le président Jovenel Moïse, qui croit que le pays nous réveille, pas qu'à construire, côté une, là, l'autre, et puis non violence. Oui, il faut dire, c'est la première fois qu'il paraît vraiment en public hein, et adressé à un full monde qui était devant pour depuis l'événement 5, depuis l'événement 6 et 7. 7 juillet qui se passait au sujet l'année passée, le président Jovenel Moïse a déclaré 5 plus gros problèmes pays à pas connaître ces corruptions, mais fois ça, il est venu avec 2 nouveaux problèmes, ça a obstacle, et c'est
mensonge avec méfiance chef d'État qui mandait tout secteur dans la vie nationale pour travailler en faveur ça les consolidation et stabilité à ça qui est nécessaire pour le développement pays. Oui, l'autre côté, président Jovenel Moïse, bah, est garanti, on n'a pas désigné un nouveau premier ministre avant fin semaine ça, une fois négociation finie avec un parlement haïtien. Président Jovenel Moïse, dans le micro, Peterson Chiri. Le mot qui est difficile, qui a détruit pays, qui a ravagé, l'homme qui est les mensonges, l'homme qui est les méfiances. Que mon ça, c'est pour nous marcher loin, yo. La jeunesse, nous pas qu'à défiance, c'est pour nous arriver quoi? Dans le monde, quoi dans Haïtien pareil? Parce que si nous besoin pour un pays meilleur, dans même temps d'après-midi, c'est aujourd'hui à nous commencer. Il faut nous connaître aujourd'hui à pays, nous voulons construire dans 25 ans, nous pas qu'à construire dans le crasé brisé, nous pas qu'à construire dans la méfiance, nous pas qu'à construire dans le mensonge. Nous pas qu'à construire nos voyer monter, nous qu'à construire nos sérénité, nous qu'à construire nos stabilité, nous qu'à construire nos palais, yon a l'autre, nous qu'à construire nos rêves, yon a l'autre. Pays va qu'on construit dans rien à l'immun. C'est pour ça qu'on a gourmé pressé, pour nous résoudre le problème du gouvernement démissionnaire, pour que prise en charge faite, pour malheureux ça yo, qui canal l'école petite yo, qui veut dire que son école yo jusqu'à présent, pour nos paroles nous dire avec nous. Mais pas oublier, de vous ça. Mensonge, avec méfiance, c'est deux petits gros problèmes paysanniers. C'est deux fléaux qui ont ravagé le pays. Nous ne pouvons pas brûler ton pays pour la vivre. Chaque temps, nous décidons, nous disons, regardez monsieur, comment le finalement. Ils montent sur les réseaux sociaux, pour les bons bagages, ou bien la radio, ils vont jouer. Pays va pas vivre comme ça. Nous connaissons déjà, quel jour on va parler, quel jour on va avoir l'occasion, je l'espère, pour me parler avec vous, pour me dire que je dis à vous prendre tout en charge. Il faut prendre tout pour commencer à créer espoir dans le pays. Il faut connaître aujourd'hui, au grand monde qui est dans le pays, qui parle, qui prêt pour faire route là, ensemble avec vous. Voilà, déclaration président républicain hier, dans zone Chaudmars, dans secteur démocratique, avec le populaire national, là. Je me parle déjà pensé pour après, président Jovenel Moïse, dans un document, 9 pages, journal public, hier, dirigeant au groupe pense à proposer en alternative une crise politique. Alternative qui pas gagné pour la constitution, puisque, opposition, lui-même, ouais, que c'est président, la Cour cassation, qui est à devoir remplacer président Jovenel Moïse. Qui doit quitter pouvoir d'après opposition politique là une proposition sortie crise à secteur démocratique et populaire national là prévoit craser parlement haïtien. Oui, non, processus sortie crise à secteur démocratique là effectivement prévoit craser parlement et aussi mise en place un gouvernement inclusif avec organisation conférence nationale souveraine, c'est ça qui a parlé tout de suite après d'après ancien sénateur Simon Dussol Dérail, un responsable secteur démocratique et populaire qui dans le micro, Wendy Charles. Après le constat d'échec nous fait sur le système, il y a un personnage qui est Jovenel Moïse comme symbole du système ça. Nous pensons que changer le système, non, pas qu'à changer son représentant qui est comme symbole là. Changement représentant ça à tout, il est exigible, il n'est pas conditionnel. C'est une obligation qu'il y ait. Là, nous estimons qu'il y a un problème de dimension, un problème de dimension posé, un problème de capacité de transcender les clivages, un problème de, on est capable de dire au monde qui a dit pour de nos présidents, pour d'avoir des chefs d'État, donc nous avons un déficit, en plus de déficit de confiance qui gagne. À partir du moment que le secteur démocratique et populaire a présenté ça, c'est une fusion de tout ça qui gagne comme blanc. Donc une concertation, ça a sorti. Vous avez dit pas de plan. À partir de dire plan commencé, M. Jovenel de gagner Santa Garelle, une prolongation de vente. Prolongation homme parce qu'il a profité de lui pour jouer football, pour jouer match. Oui, c'est sur cette la brève de Pierre, c'est sous la placé. Et c'est Belmar où l'a cherché Metsouli. Exemple. Je dis à là, sous temps de parler de proposition, proposition pour le Premier ministre. On va donc nous essayer de paraître, on nous qui est capable de faire consensus. On nous qui a bien que M. Jovenel a changé le Premier ministre. Déboudé, il va changer 50 fois. Mais nous-mêmes, clair,
pas un pire monde. International ou international. Alors, même international là, from clair pour nous, nous sommes dans un village, Haïti fait partie des villages là, nous pas qu'à fonctionner de façon isolée. Mais cependant, nous décidons pour ne pas continuer à vivre dans une situation côté de monde qui soit disant dans notre groupe, notre communauté internationale, et à comporter un maître d'esclaves. Imposer le fait d'accomplir, imposer nous mettre devant le fait d'accomplir, imposer nous remettre sur le monde. Côté que vous comportez un système esclavagiste en place, un esclavagiste déguisé, et c'est des chefs de plantation, de venir à l'esclavage, on l'a dit, c'est exécuté. Non, nous là pour nous fonctionner avec des coopérants. Nous là pour nous fonctionner avec des amis d'Haïti. Mais nous pas là, nous décider pour nous rompre avec le système qui voulait faire nous passer de groupe anti-esclaves et poser nous ça, vous voulez faire nous faire mettre sur là. Si vous pensez avoir un avis, vous lui, si vous pensez à ma répéter, c'est un démocratique là, quoi. C'est un démocratique là, quoi, que son dictateur qui répète des paroles là, mais son parole acceptable dans la situation nous est là. On manque de tomber, on se peut tomber dans le mur, mais devant les ouragans, les tempêtes de l'histoire, lui ou pas, il tombe. Mais cette situation pour voir ça, moi, m'estimer. Monsieur Jovenel avec le régime BHTK, son cadavre qui a fait ce cimetière pour rentrer. C'est cimetière pour rentrer pour qu'on vienne peut-être. Même parce que c'est cadavre politique qui a fait ce cimetière pour rentrer. Ancien ministre Simon Dussel Derana, gouvernement en transition. Député circonscription Côte des Fers, Alain Rodi, des villes encouragées, chef l'État, les plus vite dans la désignation, personnage capable pour prendre tête au prochain gouvernement par rapport à la saison cyclonique là, et puis ouverture l'école là, qui prend l'arrivée, député en croix, les nécessaires en pile pour payer en gagner un nouveau gouvernement pour répondre à besoin de population. Cependant, député Rodi des villes lancé en mise en garde par chef l'État, quand toute velléité pour ta choisir personnage du même caractère pour ministre démissionnaire. Député Rodi Deville, le micro, Owen Chaladier. Presque un mois depuis PM Jacques Lacantin a quitté le gouvernement, donc un gouvernement provisoire, et c'était déjà une situation catastrophique avec le gouvernement Lacantin. C'était presque affaire courante, ou bien affaire mourante que Jacques Lacantin a géré. Et qu'on y a, le président pour décider sur choix nouveau pour le ministre et choix formation gouvernement. Ça a préoccupé comme député de Côte de Fer, qui sortit nos communes qui ont une situation difficile avec une sécheresse dans trois derniers mois. Le pays a connu une sécheresse qui est exagérée et malgré une période de pluvieuse, c'est pas rien à pire. Si vous parlez la pluie au mois d'avril, mai, juin, ça veut dire pas une porte maïque dans le pays. Donc c'est catastrophique et nous avons une période cyclonique. Donc surtout, nous parlons au milieu du mois d'août, laisse la période cyclonique ou bien saison cyclonique plus active. Et nous venons rentrer des classes qui vont arriver. Malgré ça, donc, nous avons une situation d'insouciance, autorité qui veut décider pour que nous ayons un gouvernement, donc nous ne sommes pas préoccupés, et nous-mêmes, comme député, ça préoccupe nous-mêmes, et nous lançons un appel par tout concerné pour que au plus vite, nous fassions choix de un premier ministre, formation un nouveau gouvernement qui est capable d'adresser les problèmes pays qui, de jour en jour, a vu compliqué, et c'est pour ça que nous avons besoin d'un PM qui mieux connaît pays, qui a une compétence et qui a un leadership pour capable d'adresser les problèmes. Dans les demandes sur les réseaux sociaux, depuis que le président Pocoré, le président Chambre des députés, a proposé le président Sénat, donc c'est propos officiel, donc c'est propos officiel sous mon cadre, mais comme tout le monde, mais mettant des demandes sur les réseaux sociaux et m'a posé peut-être une question, est-ce que le président va plus chercher plus semblable à Jean-Guy Lafontaine que le mal rejoigné, parce que je pensais que type de nullité ça a un pays à l'intérieur difficile, le président est capable de faire tout. Consultation ça pour qu'un ensemble à Jacques Lafontaine et si c'est lui que le ministre a déjà lancé un appel par la population pour que par acculer parlement, le président Finbezi en bon temps, pour n'avoir pas dit que c'est période d'ouverture des classes, c'est période chronique, mais parlement par le vote. Depuis son semblable à Jacques Lafontaine, même comme député, et nous allons mobiliser en majorité, nous pas voter pour semblable à Jacques Lafontaine encore, au monde qui sent leadership, au monde qui est insouciant à problème pays. Voilà,
débuté Rudy Deville, base supporter Jovenel Moïse, il a déploré un incident pays, il a connu 6, 7 à 8 juillet passé, événement ça a quitté d'ailleurs, il a un bilan qui lourd en pile, d'après le coordonnateur structure ça, l'idée est garnier, militant politique l'a encouragé, président Jovenel Moïse, il fait choix, ayant un premier ministre qui est capable de tant d'écrit population, l'idée est garnier, dans le micro original de Rémi. Administration Moïse Lafontaine veut attaquer l'île et tout pour qu'il y ait un problème fatra qui envahit grande ville de la pays. 37 camions compressifs à joindre une vingtaine de municipalités à travers le pays. À Kajassa, pouvoir central, on veut soutenir les collectivités territoriales. Une mission qui sait, qu'un des villes propres, c'est le président Jovenel Moïse qui lui-même a procédé à la distribution d'équipement saillot à la zone Chaudemars. Peterson, chéri, tu es sur place au reportage. Pourquoi Central là, c'est rôle, c'est vivre, accompagner collectivité à la mission pour bailler population service magistrat. Ça gagne l'année depuis le président lui-même t'a lancé opération qui porte nom ville propre dans la commune Port-au-Prince. Et yon l'année après, commune n'a pas qu'aux jambes d'une capacité ni non plus moyen pour résoudre le problème saleté. Jovenel Moïse reconnaît la situation et il décide d'agir dans ce sens. Tout pays, toute ville, grande ville de la pays, tout là, bon compressif. On a même gros ville, Port de Paix, Gonaïve, Saint-Marc, Rinche, Nivalet, Léogane, Port de Paix, tout gros ville, Caille, Jacmel, Jérémy, nous tous les camions là, gros ville, nous tous les gros camions qui nous, ça, c'est l'argent taxe, ça, c'est l'argent impôt, ça, c'est l'argent. Qui va le servir? C'est pour ça qu'on a fait l'agence à tout mettre sous forme de service pour nous. Département de l'Ouest a une priorité sur toute l'autre dans un département qui produit plus fatra. 1500 tonnes, c'est la quantité de déchets qui produit dans la capitale là chaque jour. Bon Dieu mettez. Baïmérie au matériel, c'est une bonne initiative, mais sensibiliser la population pour ne pas jeter fatra à terre était un gros défi. Depuis 30 dernières années,
côté monde pas comprendre que c'est la loi qui l'a qui pour mener mon pays. Vous connaissez le fatra, c'est voisin. Fatra, pas y doit vivre même côté avec vous. Là, on est rue. Il y a capacité pour ramasser fatra. Il va la comparer avec quelques mesures. Citoyen. Nous pas qu'il doit qu'on aller. Je te fatra là, oui, ça fait comme ça tout le temps. Mais il y a pas le bon nom qui joue qu'il y a passé dans chaque jour. Fatra, on est obligé qu'il y ait pour le camion passé. Porter fatra yo pour nous même y a le jeté yo côté l'état mettait pour ça. Ça veut dire, ville yo, qui était comme ça longtemps, ville ça yo, le bal propre aujourd'hui. Distribution matérielle, ça est aussi un bon pas dans renforcement capacité collectivité territoriale yo, qui c'est un canal pour développement durable. Mon nom magistrat et président FENAM, Jules Edouard Pierre, promet magistrat pour aller bien utiliser 37 camions compressifs ça. Le président a accepté prendre matériel, prendre comme l'État, acheter matériel. Bannier, il y a ma séfata, monsieur Marabon du président. Merci, nous encourager de continuer dans ce sens-là. Pour communes qui vont rejoindre, toute commune va rejoindre compressif. Mais gagner une cinquantaine qui rejoignent dans le pays. Donc c'est un gros geste de gagner communes qui va rejoindre l'autre matériel. Tout le monde a dit que l'engagement président par la collectivité n'est pas respecté. Question font commune 16-17 heures, 95 contrats passés pour les RIO, bien une douzaine qui commencent à exécuter pour l'exercice 17-18 là. Demande le président pour sanctuariser le genre qui fait l'année dernière pour nous. Matériel SAO sorti dans le pays Japon. Combien flotte machine ça coûte? Est-ce que c'est résultat coopération Zamita et Japon en Haïti? Est-ce que des appels d'offres qui étaient faites? En tout cas, question SAO. La présidence peut réagir sur Peter Sonchéri, Caraïbes FM. Et l'autre question, la présidence peut réagir sur l'issue révélation député Antoine Rodon Bien-Aimé concernant 11 millions de gouttes qui décaissaient chaque vendredi pour président Jovenel Moïse avec l'agent sécurité lieu dans le cadre de caravane changement. Intégration jeunesse là dans l'espace politique haïtien, promotion et une nouvelle génération leader dans le pays. C'est objectif. Nouveau jeune président gouvernement jeunesse haïtien, Ronnie Carter, cérémonie installation déroulée hier jeudi. C'est sous initiative Association volontaire pour démocratie AVD. C'est la cinquième édition simulation ça côté yon cerveau jeune yon choisi sous base de concours. Je recommande même un vrai gouvernement. Une façon pour permettre de comprendre plus bien l'exercice démocratique là en Haïti. Et occasion pour dirigeants en vidéo qui honoré plusieurs personnalités, parmi eux Mirland Hippolyte Maninga et Audi Stanley Penn pour engagement yonan accompagné avec l'encadrement jeunesse haïtienne. Et on extrait la déclaration président du gouvernement jeunesse là, Ronnie Cadenne, à micro Johnny Ferdinand. En tant que jeune président de la République, durant mon mandat, je m'engage devant vous à travailler sans relâche pour que les jeunes puissent s'impliquer de façon active dans les activités de leur communauté, qu'ils puissent reprendre confiance dans ce pays, qu'ils soient formés sur tous les domaines afin d'être très utiles à notre cher pays, qu'ils puissent aussi s'éloigner de l'alcool et de la drogue en s'adonnant à des activités saines. Jeunes de mon pays, je sais tout comme vous que notre avenir dans ce pays n'est pas tout à fait ce que nous aurons souhaité. Je sais aussi qu'avec notre engagement, notre sens de leadership et notre perspicacité, nous pouvons changer beaucoup de choses. Nous pouvons donner aux générations futures la chance de voir une autre Haïti. Une Haïti où il y aura des emplois, de l'éducation pour tous, des soins de santé, de l'électricité, des infrastructures, etc. Mais surtout, une Haïti inclusive pour tous, pour nous les jeunes, pour tous. Je tiens à féliciter tous les jeunes présidents qui m'ont précédé dans cette noble mission pour la bataille que vous avez menée avant moi. Je veux citer son Excellence Alexandre Porfis, son Excellence Chimé Tourilus, son Excellence Monsieur Farandé Pierre-Louis, son Excellence Monsieur Amos Cécile, ce sont les quatre jeunes présidents qui m'ont précédé. Je lève le diable, je laisse ça sans espoir. En pile dans nos coins, dans le rêve pour ne pas aller dans l'autre pays.
déjà qui rêve ça ou pour être malade pour manger déjà. Je veux dire, moi je voulais inviter nous venir vous-même pour changer la réalité si là, qui fait que je n'ai pas qu'à réussir en Haïti. La réalité qui fait comprendre, parce qu'on allait pour qu'à respirer l'autre l'air. Je veux dire, espoir c'est nous, c'est jeunesse là. C'est nous qui principal acteur changement social là. C'est jeunesse là qui doit être principal acteur politique, acteur économique ici dans le pays. C'est surtout nous, jeunesse là, que la société agita pour toute prochaine année comme venir. Qui donc, c'est pour, depuis aujourd'hui, nous commencer à engager nous pour déterminer, pour nous définir réellement qui est notre pays que nous voulons. Que nous voulons. Je veux dire, jeune moule, jeune tout à point en notre pays, jeune qui l'a, jeune député, jeune sénateur, tout jeune à la ronde badin. Face à développement technologique là, nous passons en pile opportunité qui est devant nous. Vous voulez inviter nous, jeunes, quelle bonne utilisation des outils ça, Internet là. Formez tête nous pour nous capables de former l'autre monde. Informez de ce qui a passé dans l'entourage nous pour nous informer l'autre monde tout. Et surtout, apprendre à développer réseau avec l'autre monde qui est positif, qui fait sens leadership. Comme ça, nous allons apprendre de nous et perfectionner tête nous. Pour intervention nouveau jeune président un gouvernement jeunesse là dans l'occasion installation cérémonie installation qui déroulait hier jeudi dans le message les adressé dans l'occasion les des jeunes pour bien utiliser les réseaux et sociaux donc c'est peut-être sur base constat côté jeunes pas fait une plus bonne utilisation passé ça de réseaux sociaux de nouvelles technologies qui offrent un paquet d'opportunités et bien nouveau jeune président du gouvernement jeunesse là li adressé directement à que jeune yo dans occasion ça côté été honoré plusieurs personnalités parmi yo ancien député Guy Gérard Georges qui prend deux mandats qui devine par la suite secrétaire d'état population et actuellement lycée secrétaire général au niveau chambre des députés. Voilà, donc l'autre nouvelle gagnée un calme apparent qui n'a pas soufflé dans la troisième circonscription en Port-au-Prince, qui est entrée sud des capitales, côté Zach Violation, semblait fait et un petit campé. Oui, cependant, le climat a été fragile jusqu'à présent, d'après élu local, qui est militant, organisation, droit mignon, qui souhaitait autorité en place, prendre en disposition pour garantir un climat, la paix et la sécurité dans la troisième circonscription Port-au-Prince. Reportage sous place avec Jean-Georges Bess. Jusqu'à présent, le climat a toujours été fragile dans la troisième circonscription Port-au-Prince, là, même les gens calmes qui ont continué à souffler dans un matissant, coin avenue Bolos, à côté entre sud capitale là, qui était tourné en véritable champ de bataille pour gagner l'armée qui semblait pas anti-pose. Pour combien de temps, qui s'est fait à calmer ça, c'est question pile le monde parmi eux, habitant troisième, qui toujours bien qu'un sous-biscuit, face avec vague violence qui cause, dans pile le monde perdit la vie, sans compter qu'il y a qui boulait dans différents quartiers en conflit. C'est presque même inquiétude, là. Bon côté coordonnateur AZEC, 8e section Matissan, qui déjà posé question sur ouverture classe, là, dans zone ça, Junior Aristide. Est-ce que zone ça, nous capables de venir petit nous, pour que vu petit nous en jeu? Donc, c'est ça que moi-même, en tant qu'autorité, en tant qu'AZEC de la 8e section de Matissan, c'est ça que moi-même, inquiétude encore là. Et peut-être, c'est comme ça que, population, parce que c'est pas l'État qui vient bailler, encore, et que tu dois augmenter. Parce qu'à n'importe l'heure, je suis capable de réaggraver encore. Bisotnet, Fontaine et Ogane, arrêté en zone piégée, malgré agent Igmo, continuer à monter la garde dans un théâtre national, côté gang armé, habitué de tourner contre les marchandises, en bas bas agent PNH. C'est même constat, bon côté l'autre secteur, dans le militant collectif haïtien droit monde, CHDH, qui n'a pas caché position non plus, son situation, à la de Jean-Pierre, d'Asma Jean. Il y a une guerre de deux villages d'eau, des négos font poser. Mais qu'on a à n'importe quel moment, c'est nous penser qu'à ça, qu'à refaire surface encore. Donc, même penser calme ça, les très apparent, et côté qui a un gouvernement qui n'est pas stable là,
et bien qu'il y a cherché mettre le stable. Et nous n'avons qu'à tout profiter à n'importe quel moment pour réparer pour bloquer la situation. Ça, c'est un calme qui est camouflé. C'est-à-dire que ce n'est pas un calme vraiment qui est stable. Donc, d'un moment à l'autre, on est un pays d'Haïti comme un lié, si nous avons une distribution qui fait, mais nous tranquille parce que le plus souvent, nous achetons sécurité au lieu que nous faisons un plan pour mettre en place une sécurité durable. Garantir la sécurité dans le quartier en conflit, ça y est, militant doit nous en coin, bien pile travail qui doit être fait dans ce sens. Cependant, débattement de la police pape suffit, d'après Alain Jean-Pierre, d'Asmajan qui fait quelques propositions pour tenter de rétablir la paix. Le troisième, non. Si pas la paix dans le pays, on a toujours fait en sorte pour établir une condition juste pour nous évacuer l'occupation. Mais après, tout plan qui peut être efficace, il faut qu'il y ait à long terme. Il faut attaquer le problème dans la souche pour permettre que vous résolvez le problème non, de manière durable. L'insécurité est liée à la misère qui gagne dans le pays. Donc, nous-mêmes, pas oublier, nous sommes une organisation qui défend les droits humains et qui défend les droits socio-économiques et culturels. Et droit pour nous manger, droit pour nous côté pour l'été, droit pour nous gagner de l'eau pour le et ainsi de suite. Je pense que le gouvernement Cap Vignette a supposé très intelligent pour agir sur AXA et pour créer sécurité. Pendant qu'il a créé sécurité alimentaire, a créé sécurité sociale, et puis pour chercher une maîtrise sécurité et publique. Il y a une déclaration qui semblait deux gouttes de l'eau à la position du directeur général PNH là, sous dossier ça. C'est vrai, la police n'a pas prêté bras croisés, mais d'après Gédéon Michel-Ange, il faut que des volontés politiques n'y en ait pas pour qu'il y ait une stabilité. Nous n'avons qu'à tirer en conflit. Si nous avons opération, nous avons une ça, pas seulement on a fait avec nous, que nous avons identifié comme bandit dans zone, parce que monsieur Lelfin fait pour nous. Il partage, mais tout petit machin, nous avons qui sont nous. Et bien, les notes avec nous, étant allé dire que nous avons dit, nous avons une situation qui est extrêmement complexe. Nous avons une volonté de manquer pour nous avoir un tal contre. Rapport de force pour nous. Nous avons ensemble des questions pour une réponse à la question sérieuse avant que nous-mêmes nous engagions la bataille que nous-mêmes nous avons souhaité de faire. Nous avons tout à fait devait faire nous. Nous avons fait nous parler de sa conséquence pour nous réunir des commissions. Qui a même dit qu'il est facile de lire nos analyses. Parce qu'effectivement, la malbassée, c'est eux, mais oui. On voulait de ça, mais on est le fondamental, le fondamental protégé. Nous avons travaillé avec nous. Bataille de nos analyses, bataille de la bouche et tout. Je vous dis, le premier problème de notre artiste, c'est de demander une volonté politique réelle. Jean-Georges Blaise, Caraïbes FM. Et un chapitre de justice quoi, il y a Jean-Georges Blaise, Régis Berman vient allonger liste non prisonniers qui jouent une libération dans le cas d'assises criminelles avec assistance jury dans le palais de justice Port-au-Prince. Berman, qui était accusé pour assassinat et détention aux amis légales, était arrêté dans l'année 2011 dans l'île Avroy, ministère public, là, dans l'Audience-Land, Patagon, à ses preuves qui montraient accusé en tant qu'on circulait effectivement à Zam pour tout le monde. Reportage de sous place, Magasson de Finistère. Je pense à la police de la Fouacane, je suis fouillé par là, je trace tout le travail, je charge tout le travail, je vais faire ça. Mais dans la forme, je n'ai pas de temps. Si on dit que mon père est fou, si on dit que ça, je vais faire l'occasion de ça. C'est moi qui disais que tu parais convaincant dans le tribunal là qui est libéré. Mais ça fait à peu près passer 7 années de passer derrière 4 murailles. Régis Berman t'est accusé comme quoi, ancien chef gang dans Cité Soleil, Jed Wilmé à l'époque, t'es balsame pour tout le monde, et puis il t'a impliqué dans la mort d'une jeune demoiselle. C'est dans la cour la caille lui-même, dans la voix, la police t'a l'arrêté. Je me rapproche à la prison Régis Berman, avec son constat. La deuxième question, la prison Régis Berman est-il coupable comme auteur d'avoir assisté sur le 14 mai 2011 donné à la mort de Sterling Bravo. La réponse est non à la mort. Mais avant de dire que là, dans le moment d'interrogation, il a accusé à clé à tribunal là, même s'il était toujours flâné dans divers ghettos, il n'y a pas de jambes dans la question de l'examen. Au contraire, il était un artiste qui a fait programme, mené l'autre artiste dans la cité et puis encadré les jeunes dans le ghetto. Ça va plus faire. C'est un dossier représentant le ministère public là, M. Gérald Norgues, qui mène à qui à Vin Jigé, ou carré marqué qui désistait pour ses preuves qui va gagner. M. Norgues, m'a demandé Jirio. Agir à conscience. On m'a qualifié le ministère public. J'estime ne pas avoir les moyens de vous exposer ma conviction. Je peux avoir ma conviction du dossier. Mais la loi me fait obligation
de venir avec des preuves. Et les preuves, c'est quoi? Nous sommes maintenant dans la législation haïtienne. En fait, il y a des modes de preuve qui sont admis dans la législation haïtienne. Et la première des preuves, c'est la preuve testimoniale. Bon, vous avez pu constater avec nous qu'on n'a pas pu venir, qu'on n'a pas pu faire venir un témoin ici, un témoin populaire. L'avocat qui t'a pas signé de défense accusé, ce n'est pas un bat de bravo pour l'inquisiteur ministre public. Là. Et puis continuer à prouver que les clients n'ont pas coupable. Nous sommes sûrs et même persuadés que vous allez décider dans le sens de la justice, dans le sens du droit. Vous n'allez pas vous laisser guider par les sentiments, vous allez vous laisser guider par les faits qui ont dévalé, qui ont été dévalés, qui ont été débattus à l'audience d'aujourd'hui. Quant aux représentants du ministère public, pour qui j'ai beaucoup de respect, je vous félicite le public pour ce courage. Il s'est ressaisi. Il y a des actions, et clairement là, il n'y a pas de preuves, et de là maintenant, il doit avoir du courage pour dire non. Assise criminelle avec assistant juridique qui démarrait depuis le commencement de semaine, déjà commencé pour tes résultats. Un pile prisonnier qui vient en tant qu'à souffrir sans présenter dans le tribunal, déjà consolé ou bien libéré. Bataille contre phénomène détaché préventif prolongé à Paguet doit camper. C'est assurant ça, dans un tribunal civil Port-au-Prince, juge Bernard Saint-Ville-Baye. Ma garçon Félistin, Caraïbe FM. Il fait 6h32 minutes, moment arrivé pour nous faire l'histoire derrière, mais juste avant, on a le jeune Chilov Perrin dans la place alliée, Chilov Loresio. Oui, on a passé avec Godson Ovilich, ancien DG et PNH, le magistrat Nice Simon, magistrat sans aucune, et Monseigneur Auger Mouvoir et Jeunex Moïse de Marc-Joël Jean. Paul Villefranche.